les entreprises. Les résidents sont invités à rejoindre leur domicile. Tout débordement sera sanctionné. T'as bientôt fini là? J'ai entendu un mec. Y'a rien. Et clairement, mec, c'est au lieu de dire des conneries. Il est 20h30. Les résidents sont invités à rejoindre leur domicile. Qu'est-ce que tu fous? Ben quoi? Pause! On n'est pas là pour ça, je te l'ai déjà dit. T'as vraiment rien compris? On n'est pas là pour la thune ou les bijoux de la vieille. On est là pour la bouffe. T'es relou, putain. On mange toujours bien chez les riches. Le but frangin, c'est de pouvoir revenir, comme là et comme j'ai déjà fait avant. Ce type, il a tout ce qu'il nous faut, regarde. Repose. Si on veut revenir, Joe, faut pas se faire remarquer. On prend là où ça se voit pas. C'est pas possible d'être aussi riche et d'avoir des placards aussi vides. Tu m'as dit qu'il y avait de la bouffe, et beaucoup en plus, non? Je suis sûr, il a un garde-manger, ce type. Le sous-sol. Le quoi? Le sous-sol. Sérieux. Putain, dans quoi tu m'as embarqué, Will? Vas-y, laisse tomber, frère, il n'y a rien à voir ici, on a tout ce qu'il nous faut. Gros, on va avoir des problèmes si on reste là. Allez, viens. On reviendra. Will, j'aime vraiment pas cet endroit. Et d'ailleurs, pourquoi on est là, hein? Tu le savais? Tu le savais et tu m'as embarqué dans ton plan foireux, c'est ça, hein? Putain, merde, Will, réponds-moi! Ferme-la un peu, là! Et réfléchis. Si j'avais su, je t'aurais pas fait venir. Putain, mais regarde! C'est pas demain qu'on va retomber sur un trésor pareil. Un trésor? Mais quel trésor? Y'a pas de trésor ici. Des emmerdes, et rien que des emmerdes, Will. Putain, merde, tu sais très bien que si on se fait choper, c'est fini pour nous, non? Touche pas à ça! Will. Tu sais quoi, moi je me casse. Arrête tes conneries.